Ok, dans cette vidéo, je t'explique comment voir les hosts de son réseau. Alors, si c'est pour la première fois d'être ici, je t'invite à la fin de cette vidéo à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc ici, nous parlons du tutoriel pour téléphone et quelques tutoriels pour PC. Alors, si mes vidéos t'intéressent, abonne-toi et surtout, active les notifications. Donc, c'est très, très, très important. Alors, je vais me rendre sur un navigateur. Donc, moi, j'aime bien utiliser les navigateurs Chrome. Donc, je vais me rendre sur Chrome. Alors, sur la barre de recherche, je vais en fait taper les sites que je vais utiliser. Je vous ai laissé les liens de ces sites dans la description. Donc, c'est les deuxièmes liens dans la description de cette même vidéo. Alors, le site, c'est en fait yougetsignal.com. Yougetsignal.com. Donc, je vais accéder. Alors, une fois sur le site, je vais essayer en fait un peu de zoomer. Donc, je vais zoomer un peu. Alors, je vais appuyer sur cette icône. Donc, je vais vous montrer l'icône en question. Je vais appuyer sur cette icône. Alors, lorsque j'arrive ici, bon, j'essaie encore de zoomer. Sur cette case, je vais écrire l'URL de mon réseau. Donc, je vais écrire le domaine. Donc, l'URL ou les domaines. Alors, disons que j'utilise RTL. Donc, RTL en RDC, je vais mettre RTL.cd. Donc, il faut savoir l'URL de votre réseau. C'est très important. Donc, cela dépend aussi du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, quand vous êtes en RDC et qu'une autre personne est par exemple en Côte d'Ivoire, bien que vous utilisez les mêmes réseaux, mais ce n'est pas les mêmes URL. Donc c'est très 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 important. Alors je vais aller sur check. Alors comme vous l'avez remarqué, il y a plusieurs hosts. Donc c'est maintenant à vous de prendre tous ces hosts et aller les checker pour voir si ça marche. Donc comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de hosts qui sont là. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors je vais mettre je vais effacer pour mettre l'URL d'un autre réseau. Je mets par exemple orange.cd. Donc c'est le site d'Orange en République démocratique du Congo. Orange sur check. Donc là vous voyez qu'il y a quatre domaines. Donc c'est maintenant à vous de prendre tous ces hosts pour aller les checker un à un pour voir si ça marche. Donc je peux effacer les CD pour mettre en fait CI. CI c'est le site officiel d'Orange en Côte d'Ivoire. J'entre sur check. Donc comme vous l'avez remarqué, il y a plusieurs hosts. Donc c'est très simple, c'est pas difficile. Donc pour trouver les hosts, c'est pas trop compliqué. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors je crois que cette vidéo touche à sa fin. Si la vidéo vous a permis quand même de prendre quelque chose de nouveau, likez la vidéo, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Donc c'est un peu ça. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.